Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison qui pète car en fait le robinet, la douche, enfin les deux robinets de la cuisine, salle de bain sont foutus. Alors du coup on va commencer par appeler le service de réparation. Oh là là. Oui, je ne fais pas remplacer, c'est ce que je faisais dans mes premiers let's play, mais maintenant qu'il y a le service, on va en profiter. Et bon, je veux quand même pousser la simulation et pas régresser. Donc voilà, on va faire appel à 14h29, bon, bientôt. Ça va être encore celle qui est pas contente. Alors Adrien, lui, il est joueur. On était dimanche, ok. Non, c'est bon, on a fait le travail supplémentaire. La maman d'Adrien, qu'est-ce qui se passe avec la maman d'Adrien? On va le nettoyer, mais ça sert à rien de nettoyer, ça va être sale dans 3 secondes. Va plutôt faire de la peinture. Pourquoi elle peut pas... Ah mince. Très mal à l'aise. Ah mince. Ah non, c'est juste répugnant. Oui, bah écoute, viens ici, ça va être plus propre. Voilà, regarde, tu vas te sentir mieux, non? Ah non, je peux pas. Attendez, je vais... Ah voilà, enjôleur. Bah, c'est nickel. Une toile enjôleuse, allez. Je crois que j'en avais déjà fait une. Alors, le robinet ici est déjà fait. Oh, regardez comment il est bien, cet Adrien. C'est peut-être un petit geek, mais voilà, quoi. Moi, j'espère qu'un jour, s'ils font Sims 5... qu'on aura, comment dire, le vieillissement des Sims, pas instantané ou quoi, où vous êtes obligé de faire un anniversaire, mais vous savez, progressivement, comme en vrai, quoi. Enfin, s'ils pourraient faire un système comme ça, ce serait juste pas mal. Enfin, là, je rêve peut-être trop. Déjà, est-ce qu'il y aura Sims 5? Je sais pas. Alors, en tout cas, j'espère qu'il y en aura un et plus abouti, mais c'est vrai que ce serait pas mal, soit le vieillissement progressif. Allez, tu viens maintenant nettoyer là-bas. Et après, cours de violon. Ah non, non, je devais faire un truc avant. En fait, dans l'autre vidéo, on avait rencontré à la piscine Alexandra. Et non, faites pas la musique de Claude François, je vous vois déjà venir. Bon. Il est où ce téléphone? Non, faut que je clique sur les personnages, relations. Je crois que c'est de mon groupe. Voilà, Alexandra, on va l'inviter à venir sur le terrain actuel. Ah, elle va arriver. D'accord. C'est bien, mon petit. C'est bien. Bon, elle avait besoin d'une douche. C'est ça, sa toile enjôleuse? Non. Mais c'est horrible. Elle a régressé. Mais non. Mais non. On dirait Adrien qui l'a dessiné, quoi. Bon, allez, vendre un collectionneur. Et ça se vend combien, ce truc? Parce que, franchement... 217$ pour ça? Bah attendez, je vais devenir peintre. Regardez comment elle a la classe, là. Yo, yo. Je ne sais pas si... jouer à faire semblant, faire connaissance. Oh, ça commence mal. Non, Yann, je veux plus te voir. Je ne sais plus si on peut faire des flirts ou quoi en étant ado. Je ne sais plus. Enfin, ado, non, on n'est même pas ado. On est encore enfant. Que dis-je là? Ok, ok, t'as faim. Ok, mange devant elle. Ne lui propose surtout pas quoi que ce soit. Parlez des jouets. Elle est dans mon groupe, ça c'est nickel. Mais là, je serais bien enfoui. Ça me fait peur. Discuter des centres d'arrêt. Adrien, c'est pas le moment, je t'ai dit de faire quelque chose, là, pourquoi tu la fais pas, l'action? Ouais, non, je crois pas faire une référence culturelle. Bon, qu'est-ce qu'il me veut, Yann Solo? Hein, boîte de nuit, discothèque pour... Mais t'es trop jeune pour leur disco, j'y suis allé l'autre fois, donc non, aujourd'hui, on fait un peu pépère. Euh,
Allez, on va faire un petit truc drôle, on va faire l'imbécile. Komiko? Il y a un niveau 7 déjà, le petit Adrien. Ils sont marrants. Je trouve qu'ils se ressemblent et qu'ils vont bien ensemble. Son avenir est déjà tout tracé. What? Elle m'a refait une toile, mais quand? Ah, je l'aime bien, moi. Le petit chat comme ça. Allez, on va le garder. Voilà. Un peu de tableau, là, dans ce monde de brut. Bah oui, ils ont l'air de bien s'entendre. Oups. Pourquoi tu dors, toi, en fait, maman d'Adrien? Ça sert strictement à rien, tu sais. Alors, invité sur le terrain, on va voir s'il veut bien, donne. Après tout, on est dimanche et... Oh, il fait des choses... Mais il me saoule, ce gars! Ah non, elle est partie. Alors, envoyez un SMS. Allez. Envoyez un SMS. Et on va discuter avec. Ça monte bien, je crois, les... Ah, vous voyez, un SMS de bonheur, voilà. C'est vrai, Adrien, c'est une magnifique journée. Ok, on est 21h du soir, mais c'est pas grave. Allez, allons au parc, j'accepte. Alors, nous voilà au parc en pleine nuit. Mais attendez, c'est... Oui, c'est le bon parc. Mais attendez, il y a Oron Tonton ici. Comme le monde est petit. On va aller dire bonjour à Oron Tonton, allez hop. Présentation amicale. Demain il y a école, je veux pas dire. Ah, ça fait bizarre de revoir mon Oron Tonton. Mais bon. Ah, il y a un tel niveau 2 en compétences, ça c'est pas mal. Faudrait que je lui achète ça après. Allez, on va un peu jouer au pirate. Y'a rien, mon capitaine! Attendez, c'est Eleanor. Et Morgan Fryer. Pourquoi elle veut me faire peur, elle? Ah. Première motrice, entraînez-vous à taper au clavier sur l'ordi ou jouer avec l'échelle horizontale. Ah, d'accord. Attendez, faut que je le fasse avant de grandir, ce truc. Allez. Bah, je l'entraîne pour l'armée, que voulez-vous? C'est marrant, vitesse rapide. Par contre, je veux pas dire, mais demain, il y a école. Et il est tout crevé. Alors du coup, on va rentrer ici. C'était sympathique, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétences que j'ai pas encore améliorées que je vais faire. Mais pour l'instant, nous allons rentrer pour les faire doudou. Comment on rentre déjà? Rentre! Allez, vite! Adrien, vite! Bon, j'ai l'impression que... Que la mère a pas été dormir encore. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle mange du pudding. À 2h30 du matin, pourquoi pas, écoute... Hein, on va dire ok pour cette fois. Dormir. Bon, j'ai envie d'acheter un ordinateur à Adrien, mais pour ça, je pense que je vais revendre la tablette. Voilà, donc j'ai acheté un petit ordinateur à 800 simflous, donc j'ai revendu la tablette à 800, donc du coup, bon, bah, voilà. Comme ça, au moins, il y aura une petite tablette, tranquillou. Enfin, un petit ordinateur, on pourra commander, acheter des graines, des livres, des médicaments, enfin voilà, la totale. Ce sera mieux, ouais.
Mais elle devait pas aller travailler, ma petite maman d'Adria, là. Attendez, c'est quoi ce délire? Elle travaille quand, en fait? Bah oui, mais on est en week-end. C'est vrai. Ouais, elle travaille Nadie, donc à 9h. Tâche du jour, créer de toile. Ça a été fait. Viens manger tes céréales vite, Adria, avant que tu pars au... Je veux dire au travail, mais non. Oh, comment il lui a mis avant? Oh, j'aurais pas aimé, moi. Oh, pauvre maman. Ah, ça y est. Il se rattrape. Voilà, Adrien, tu dois partir. Allez, hop, hop, hop. Go, 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 go. Il prend le temps de poser son assiette. Voilà, il est parti. Ensuite, ça va être retour de la maman. Ouais, regarde, profites-en. Voilà, maintenant tu peux partir. Soussoul. What? Il a pas pu atteindre ma boîte aux lettres? Mais il est fou ce facteur, je vais le tuer! Ça arrive qu'à moi ces facteurs. Non, vivement qu'on a les animaux, parce que là franchement, moi il lui bouffera le slip. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il est tendu, pourquoi? Jour d'école stressant. Mais non, Adrien, viens te détendre. Tu vas jouer à Attack Artim Tipting. Mais non, mais c'est vrai que bah, moi déjà ça me manque de plus les voir, les facteurs, hein. C'est vrai que là, comme j'ai refait histoire de famille ou quoi, on voit le facteur venir, le petit journal qui est distribué tous les matins. C'est des aspects qui ont disparu du jeu, mais qui étaient franchement intéressants, mine de rien. Ça rajoutait franchement le côté simu. Voilà, on va le déstresser, le petit. Oh, les truches, mais qu'est-ce que je passe? Les Sims moroses semblent toujours avoir un nuage au-dessus de... Oh, bah attendez, on va faire un truc pour... Elle va faire une toile triste en rentrant, ça lui fera du bien. Ah, elle est vraiment... Bah oui, elle est sympa. Il est jaloux. Bon, JC, tu sais quand que tu as du... Non, pas tout de suite. Ah non, pas tout de suite. Bon, elle va créer une toile triste, c'est pas grave. J'ai les factures à payer. Ça, c'est pas bon, par contre. On ira après. Bon, Adrien, je suis désolé, mais tu vas aller faire tes devoirs. Parce que là, t'arrives pas à te détendre, c'est pas bien. Il a assez joué. Il a joué plus de 3-4 heures, là. terminer ses devoirs. Raison, faire ses devoirs. Ah bah juste, ils sont moches ces toiles. Alors, attendez. Vendre à une galerie d'art. Ah oui, on peut les vendre maintenant à une galerie d'art. Je peux l'encadrer. Encadrer. Allez, on va le vendre à une galerie d'art, celui-ci. 300. C'est justement la somme que j'avais besoin pour mes petites factures. Donc Adria a fait ses devoirs. Mais là, il est tout mort, donc il va aller prendre une petite douche. Il va aller dormir, le petit. La maman d'Adria, elle va... Hop, elle va dîner des macaronis au fromage, parce que je le veux. Et ensuite, elle regardera la télé. Hein. Et demain, rebelote, jour d'école. De toute façon, avant de le faire grandir, je vais d'abord essayer d'atteindre le niveau 5 de la compétence faculté motrice et s'entraîner à taper pendant 4 heures. Donc, à taper son clavier, c'est ça, hein. Ouais. Donc, on va sur cette vidéo, on va s'entraîner à ça. Et on finira sur une petite réunion. Et non, une réunion Tupperware. Je vous vois déjà venir, encore une fois, hein. C'est pas possible. Je vous jure, moi. Je sais plus quoi faire. Ah, par contre... Ah, Patrick Dubois. Ouais, mais moi, je veux Donkey Kong, mais viens pas. Son là, il est tard, donc du coup, il viendra pas. On va lui envoyer un petit SMS pour lui dire, écoute, on est là. On a beau. C'est vrai qu'elle a pas vu depuis un moment. On lui a un peu parlé, faut espérer que ça continue dans ce sens.
Pareil, il faut que j'entretienne la relation avec Alexandra, sinon ça va pas le faire. Et manger des céréales comme d'habitude. L'abonné aux céréales. C'est pareil, le fait que le lit soit refait automatiquement, bah, même si c'était une perte de temps dans les autres, c'était quand même sympathique de refaire son lit. Alors hop, tu vas venir nettoyer. Elle a pas trop envie de nettoyer. Et là, donc, est-ce que je peux faire m'entraîner partir en vacances? Discuter sur les... Ah, s'entraîner à taper du clavier, voilà, j'ai trouvé. Nickel. Allez, on s'entraîne. Ah mince, mon mur de notification est plein. Attendez, s'il est plein, il est où le truc? C'est ici. Hop, on supprime. J'ai même pas fait... Si, j'ai fait qu'une heure. On va essayer d'en faire deux, là. Avant qu'ils partent à l'école. Ah, il doit partir. J'ai fait mes devoirs, hein, logiquement, ouais. Allez, Adrien, go, 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 go! C'est parti. Non, elle a fait qu'une toile, mince. Bon, c'est pas grave, je pense que ça peut le faire aussi, hein, non? J'espère que ça va le faire. On va peut-être aussi appeler le Down. Bon, en rentrant du travail aussi. Aujourd'hui, le derrière, tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière Adrien décide de lui jeter des trucs dans le dos. Doit-il l'ignorer ou lui demander d'arrêter? On l'ignore. Adrien garde consciencieusement les yeux sur le tableau en espérant que l'élève arrête. Au lieu de cela, l'élève envoie une boule de papier tellement forte qu'elle atterrit sur les pieds de l'instituteur. Pour une fois, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le pétrin et Adrien qui a le rôle de l'élève innocent et studieux. Yeah! L'œuvre de Déchu reçoit ses premières critiques et les réactions sont particulièrement sévères. Doit-elle défendre son œuvre et tenter d'expliquer sa démarche artistique ou se taire et prendre des notes pour s'améliorer? On va prendre des notes, voilà, prendre quelques notes, dessiner... Nickel. Et bien là, on a eu deux petits trucs d'interaction du travail, de l'école, pas mal. Adrien, de télévision, Alexandra, bah oui, tu vas l'inviter, Alexandra, attends, oh. Alexandra, Alexandrie, nanana. Mais j'avais dit non! C'est pas possible ça, je suis obligé de me taper moi-même pour m'interrompre dans ma blague. Non mais je peux pas faire ça, pas Alexandrie, Alexandra quoi, je l'avais dit. Ah, je deviens fou. Alors, bonjour Alexandra, Alexandrie. Alors attendez, qu'est-ce qu'il va faire le petit Adrien? Bah tu l'invites pas à rentrer, elle rentre pas, bah rentre. Kula Mata. Alors nous, on va faire nos devoirs comme d'habitude pour pas changer malgré qu'elle soit là. Non, ils vont parler en même temps. Bah c'est bien, faites les deux. On va pas faire trop... Oh, ils se sont lassés, c'est mignon. Ouais, non. Oh, ils se font un petit selfie, que c'est mignon. Attendez, il faut que j'en fasse ça comme ça pour avoir un souvenir. En un jour de congé, non mais non mais... Il est fatigué mon Adrien là. Lucie rentre à la maison, mais elle a pas... Non, elle va refaire une toile là avant de faire quoi que ce soit d'autre. Une toile abstraite. Je me la fais en grande. Ta-da-da. Ça y est, je me fais une petite photo là. C'est bon, on est bon. Ta-da-da-da-da-da. On va mettre un petit filtre. J'aime bien celui-ci. Allez, on le prend. Ta-da-da. Tin, tin, tin. Ben c'est bon.
Alors là, je l'ai dans l'inventaire. Yeah! Ta-da-da. Ta-da-da. Alors on va ajouter un cadre. Ta-da-da. Ah non, elle est toute floue, ma photo! Non, attends, on doit reprendre ça, là, c'est pas bon. Non, attends, Adrien, tu vas pas manger tant que t'as pas fait la photo. Non, attendez, j'ai vu d'autres trucs, attendez. Je suis en pause. Prendre une photo avec et pas une photo de... Allez, on prend une photo. Ouais, c'est ça que je cherchais, le selfie, la dernière fois. Voilà. Ta-da-da. Pourquoi je suis en mode zoomage? Non, on peut pas dézoomer plus. Bon bah c'est pas grave, on va prendre celle-ci. Voilà, une standard s'il vous plaît. Ça a l'air mieux. Bon, elle sera un peu floutée celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a cassé? Appelle Don, vite. Don. Ah mais il est chiant, il fait déjà autre chose. Envoie-lui, spam-lui, envoie-lui des SMS, des trucs là, je sais pas, discute avec. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa, à plus. Ah, c'est cool, on avance bien dans la relation entre Adria et Alexandra. Voilà, ça c'est bien Adrien. Et là on va continuer, donc on va s'entraîner à taper au clavier. Oh mais la toile, attendez, je l'ai faite ici. Donc on va l'encadrer et vendre une galerie d'art. Donc logiquement j'ai fait mon travail. Ah non, créer des toiles, ok. Toile pop art, toile impressionniste, vas-y on va faire une moyenne. C'est parti, mon kiki. Alors Adrien, tu t'entraînes bien. Bon, lui, il est parti pour s'entraîner. Là-bas, ça se monte aussi, sa compétence. Mais c'est nickel. Toile, c'est terminé. Adrien, il est super bien. Hein, les meilleures moyennes d'Ame Samia. Alors là, j'ai fait... Ouais, voilà, on a déjà fini ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de sommeil et il jouera après. Allez hop. Il est déjà 22h36 quand même. On rigole pas. Allez hop, on fonce, on carbure. Je sais pas, mais on fait la totale. On va regarder. Non, on va regarder un film. Non, on va pas regarder un film. On va regarder la chaîne d'actualité. Non, la chaîne enfant. La chaîne enfant, j'ai rien dit. Dubaï. Les cours d'Adrien commencent. Oh mais non, mais il n'y a pas le temps de se divertir là. Voilà, il est heureux. Il est joueur. Ça c'est une bonne émotion. Mais mine de rien, non, il va rater l'école si je l'envoie pas. Non, mine de rien, donc on a bien fait s'entraîner à taper pendant 4 heures et atteindre le niveau 5 de la compétence. Donc on est 3 sur 5. Donc on verra ça à mon avis dans une prochaine vidéo. En tout cas ici, on va encadrer la toile et on va la vendre à un collectionneur. Voilà. Si on a besoin de sous-sous supplémentaires, 158 simflouz, elle est morose. Mais non, arrête d'être morose, ma petite. Attends, on va appeler le Don. Je vais le spammer, le pauvre. Oh, il appelle! Hey DC, tu l'as vraiment dit, viens, je vais te réconforter. Mais c'est nickel ça. Allez, on arrive. Voilà, donc là, je sais pas, on est chez qui. C'est pas sa femme, c'est pas sa fille au moins. Attendez, Kalita. Donc nous, on est vraiment triste. Hop. Essayez de flirter, je crois que je vais faire pire que bien. Ah non. Non. Ouais, ben voilà, lui propose d'emménager. Bon, ils se connaissent à peine, mais voilà, une proposition d'emménagement direct. Moi, oh, j'étais direct. Bon, on va rentrer. Hein. Allez, on n'a plus besoin de rester ici, maintenant il est reparti. Voilà, donc il est à la maison, ça y est.
Donc, bon, ils vivent ensemble, mais ils sont pas encore ensemble, hein. Du coup, on verra ce qu'on peut faire dans les prochains épisodes. En tout cas, on a beaucoup avancé dans cette vidéo, je suis content. J'espère qu'elle dure pas plus de 20 minutes, mais bon, c'est pas grave, au pire, ce sera une vidéo spéciale amélioration, compétences, le robinet qui fuit encore là-bas. Donc, il est pas venu avec des sous, par contre, ça, c'est malheureux. Et elle veut jouer du violon. Mince, elle a raté le travail, c'est vrai. Lucie n'est pas allée travailler, ça, c'est bien. Ouais, bon, bah écoute, c'est pas de sa faute. Hein. Elle peut y aller. Allez, elle va y aller. Et le Don, alors, il fait quoi? Lui, il est responsable de l'eau. Ok. Ok. Eh ben, mes gens, c'est sur ces images qu'on va se quitter avec le Don qui est arrivé chez la famille d'Adria. On va voir comment les choses vont se passer. Surtout que ce personnage n'a pas envie de s'engager. On va voir, il a des notions de DJ, de dance, voilà, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, moi les amis, je vous dis à la prochaine pour la suite, et surtout, portez-vous bien, bye bye!